J'ai rencontré Jafar, le propriétaire du garage, et je l'ai menacé de le tuer s'il refusait de payer. J'ai l'impression d'être un gorille de la mafia, bon sang. Qu'est-ce qui vient d'exploser sous mes yeux? Ouais, on les appelle des enflés. Nos gars en utilisent parfois pour tuer d'autres infectés. Tu leur tires dessus? Et le messager, tu l'as vu? Non, j'ai vu personne, à part des zombies. Très bien. Il va falloir que tu ailles jusqu'au village dans ce cas. Le type que tu cherches s'appelle Gourcel.
Thank you.
Karim, je suis à l'extérieur du village, mais ça grouille d'infectés. Élimine-les. Un poids, c'est tout. On est là pour protéger les gens, je te rappelle. Alors, protège-les. Thank you.
Faut que je referme la porte avant qu'il y en ait d'autres qui entrent. Y'a quelqu'un ? Si on ne bouge pas, il finira peut-être par partir. Y'a quelqu'un ? C'est Rice qui m'envoie. C'est Rice qui m'envoie. J'ai quelque chose à récupérer. La note de Rice ! Qu'est-ce que je fais ? Dis-lui de partir. Si t'es gentil, il nous laissera peut-être tranquille. Oh, encore mieux. Envoie-le chez Gourcel. Il saura quoi faire. On s'occupe de rien ici. Va voir Gourcel. Il habite au-dessus du magasin. Salut, c'est Rice qui m'envoie. Ton chef est dans le coin ? Gourcel ? Oui, là-bas, dans la grande maison, au centre du village. Il vit à l'étage. Méfie-toi de sa femme, c'est une vraie harpie. Ah, merci. Y'a quelqu'un ? Pas si fort ! Tu vas attirer les monstres ! Je les ai éliminés, mais vous feriez bien de renforcer la porte avant que d'autres se pointent. Tu les as éliminés ? Tous ? C'est Rice qui m'envoie. C'est toi, Gourcel ? Ah, tu travailles pour Rice ? Ouais. Évidemment, c'était trop beau pour être vrai. Vous avez eu votre part, ça suffit ! Vous ne pouvez pas en avoir plus, Firkin, dis-lui ! Ayla, c'est bon ! Laisse-moi parler ! Vous ne pouvez pas vous servir de nous comme ça. Firkin va vous botter les fesses. Firkin ! Ça suffit, je veux pas d'ennui, mais on a déjà payé ce mois-ci. À ce rythme-là, on sera vite à sec. C'est pas mon problème. Rice veut son argent. Alors, tu me le donnes, sinon ça va mal tourner pour toi et pour ta femme. Vous ne pouvez pas nous menacer. Botte-lui les fesses, Firkin. Ferme-la un peu, Ayla. Très bien. Tiens, le courrier. Tu parles d'un homme, toi. Une vraie mauviette. Allez, je te laisse. J'ai l'impression que l'argent est le cadet de tes soucis. Garim, j'ai l'argent de Gourcel. Je me déteste, mais j'ai l'argent. Ça passera, t'inquiète. Il te reste un tour à faire. Cette fois, tu vas aller au débarcadère, au vieux port. Il y a des bateaux ici ? Il y en avait un avant que les militaires le coulent. Des dizaines de gens se sont retrouvés à attendre un ferry qui n'est jamais arrivé. Il reste des bateaux ? Ouais, et les bateaux qui tentent de quitter la baie sont immédiatement coulés.
T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu veux? Je m'appelle Crane. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là? Tu plaisantes? Je m'appelle Tobias J. Bagwell, et je conçois des armes incroyables. Des armes pour tuer les zombies. D'accord. Je vais te laisser bosser, dans ce cas. Non, attends, pars pas! J'ai presque fini mon arme de destruction massive. Elle est monstrueuse. J'ai juste quelques réglages à faire, et tu vas pouvoir m'aider. Voyons voir. Ces gars raflent toujours les livraisons.
Je viens de la part de Rice. Hein, encore? Mais on vient de vous donner de l'argent. J'y suis pour rien. J'essaie juste de survivre, comme tout le monde. Et nous aussi. Rice nous a dit qu'il nous protégerait si on le payait. Mais jusqu'à présent, il nous a pris notre argent et c'est tout. Il n'y a pas de protection, juste des menaces. T'es pareil, je suppose. J'ai une mission à terminer, c'est tout. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je menace de tout brûler ici? C'est dingue, vous êtes tous pareils. Des putains de monstres. Toutes mes économies sont là. Prends-les et dégage. Si ça peut te consoler, je suis là contre mon gré. Si je pouvais, je vous aiderais. Ouais? Mais tu le fais pas. Bah ouais. Karim, j'ai récupéré l'argent au débarcadère. Et je suis quasiment sûr que je vais aller en enfer. Tu seras pas tout seul. Allez, viens chercher ta récompense à présent. Bon travail. Je m'appelle Neil Fallon. Je suis journaliste pour le magazine Affaires Internationales. J'ai entendu parler de toi. Ah bon? Comment t'as fait pour venir jusqu'ici? Au début de la quarantaine, c'était pas trop dur. Et puis, quand Suleiman a pris les commandes, on a tous compris comment les choses allaient tourner. Et tu as décidé de rester? Non, j'ai décidé de partir. Mais je sais pas si je vais y arriver. J'ai déjà connu des villes fermées, en général, il y a toujours quelqu'un qu'on peut soudoyer. Mais pas ici. Je peux pas te faire sortir de Harran. Personne pourra le faire. Je sais bien. Mais je suis ce qui se passe ici depuis le début. J'ai interviewé des centaines de personnes qui ne sont plus des personnes. Suleiman est un monstre. Il faut que le monde entier sache ce qui se passe ici. Et en fait, j'ai perdu mon travail. Mes notes, mes photos, tout. J'ai été attaqué par des infectés dans un cybercafé. Je m'en suis sorti, mais j'ai laissé ma sacoche sur place. Et tout est dans la sacoche? Pratiquement. Ils m'ont poursuivi un certain temps et j'ai fini par jeter mon appareil photo dans une voiture. Écoute, je sais que je t'en demande beaucoup, mais... Tu sais, même si je récupère tes affaires, c'est pas pour ça que tu réussiras à quitter la ville. De toute façon, si je ne récupère pas mes affaires, je n'ai aucune raison de sortir. Le café se trouve dans une zone dangereuse. Je vais y réfléchir, mais je te promets rien. Thank you.
Ici, ces gars raflent toujours les livraisons. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un a bastonné au 18ème étage. On essaie de maîtriser la situation, mais bon. Écoute, Crane, il nous faut de l'antigène. Et tout de suite! Rice m'en a promis deux caisses, Brecon. Deux caisses! Je fais aussi vite que je peux, je te promets.
J'en sais rien, j'ai fait la moitié de la route, je pense. Super. Il faudrait que tu fasses un petit détour. Pourquoi ? Une de nos patrouilles a disparu aux alentours du marché. C'est pas mon problème. Ça l'est maintenant. Tu vas les retrouver. Sinon, c'est pas la peine de rentrer. Je crois que j'ai trouvé la patrouille. Des gars ont été complètement massacrés. Fouille les corps. Et les abîme pas. Ils valent bien plus que tous ces macabres additionnés. Où est passé ce type ? Pas encore, une seconde. Je l'ai. Parfait. Rapporte-la-moi immédiatement. Tu vas être accueilli en véritable héros. Hé, toi, là-bas! Je suis sur l'antenne. Tu me vois? Je suis là-haut. J'ai besoin d'aide! Thank you.
voie là-bas, par ici. Il faut que tu retrouves mon fils, Christophe. Tu travailles pas pour Rice? Si, mais c'est pour notre protection. Je ne peux pas lui demander de l'aide. Mon fils, il est jeune. Il agit sans réfléchir. Il ne comprend pas que parfois, il faut accepter de travailler pour des gens dangereux. Il est parti rejoindre le groupe de Brecken à la tour. Il veut devenir éclaireur, je crois. C'est un boulot plutôt dangereux. Il va se faire tuer. Il est pas prêt. Il est beaucoup trop jeune. Pourquoi tu vas pas le chercher toi-même? Tu ne comprends pas. Je fabrique des armes pour Rice. Si les nouvelles armes ne sont pas prêtes dans les temps, on est mort. Christophe et moi, je t'en prie. Si tu m'aides, je te renverrai l'ascenseur. Tu seras pas déçu. J'aime bien aller voir du côté de la tour. Si j'ai du nouveau, je te le dirai. Mais si tu veux mon avis, ta protection m'a l'air dangereuse. Tu devrais peut-être y réfléchir.
Donc, d'après ce que j'ai compris, Rice n'a pas beaucoup d'amis dans le coin. Non, mais tout le monde a peur de lui. Et puis tu sais ce qu'on dit. Mieux vaut être craint qu'être aimé. Machiavel. Tout à fait. Un mec qui avait les pieds sur terre. Tiens, voilà les plans. Excellent. Toi, au moins, je peux te faire confiance, c'est pas comme ces ivrognes. Rice t'attend. On pourra peut-être bosser ensemble un de ces jours. Non, j'espère pas. La compassion, c'est ma faiblesse. Tu leur donnes un toit, ils te bouffent le bras. BG, vous avez tout ici. Un toit, à manger, des femmes, des munitions. Et qu'est-ce que j'ai en retour? Je peux pas vous faire confiance. Je suis trop gentil avec vous. Beaucoup trop. Tiens, revoilà l'autre. T'as quelque chose pour moi? Ouais. Et j'attends mes deux caisses d'antisine en retour. Tu me l'as promis. Tu rêves. Tu es fidèle à la tour. Mais c'est pas une marque d'intelligence. Tu n'es qu'un lâche. Tu obéis sans réfléchir. À eux, à moi, à un bon petit... clébard. Écoute, on avait un marché. Les tiens ont besoin de l'antisine.
Plus que jamais. Mais un homme qui suit les règles d'un autre n'en est pas un. Tiens. T'auras ça, et rien de plus. 5 flacons ? Mais tu m'avais promis 2 caisses. Si t'en veux plus, j'ai une proposition pour toi. L'athlète, celle qu'on appelle le scorpion, Jade Aldemir, ramène-la-moi. J'ai une arène où mes hommes se battent. J'aimerais bien voir le scorpion se battre pour nous. Je me demande combien de temps elle tiendrait. Quoi ? Non, pas question. Ça manque de conviction, tout ça, Crane. T'as pas encore décidé, ça s'entend. Alors tu vas sauver qui ? Les habitants de la tour ? Ou la demoiselle en détresse ? File et réfléchis. Viens me voir à ton retour. J'ai quelque chose pour toi. Oh merde. Ici Elfie. Bon, écoutez-moi tous. On n'a plus de gaz à la tour. Et j'ai l'impression que c'est pareil partout en ville. On sait ce qui s'est passé ? Non. Jeff, notre spécialiste, est parti la semaine dernière. Et il est du genre irremplaçable. Je peux peut-être le retrouver. Il faut que tu le retrouves. Et vite. Il paraît qu'il s'est monté une petite forteresse, quelque part derrière la gare. Ici Jade. Il fera nuit dans environ 1 heure. Alors, quoi que vous fassiez, finissez et rentrez vite à la tour. Dégage ici ! Ici Crane. Au rapport. Je travaille plus avec Rice. Il voulait que je kidnappe Jade Aldemir pour la faire combattre dans son arène. Oui, et ? C'est tout ? Comment ça, c'est tout ? Je fais pas dans le trafic d'humains, moi ! On dirait que vous oubliez à quel point ce fichier est important, Crane. Si Rice veut la fille, livrez-la lui. Vous serez là pour veiller sur elle, non ? Qu'est-ce que... C'est quoi ce délire ? Vous êtes sûr de bosser dans l'humanitaire ? Et puis, si ce fichier peut sauver le monde, pourquoi il doit rester secret ? On ne vous paye pas pour vous poser des questions, Crane. Récupérez le fichier, c'est tout. Allez vous faire foutre. Thank you.
et rendez-vous à l'abri le plus proche. La nuit approche. Crane, je suppose. Crane, la superstar. Tu sais ce que je pense? Que Brecken exagère. Beaucoup. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais quoi? Ça me tue que les gens te considèrent comme le meilleur traceur de la tour. C'est moi le meilleur. Moi, Volcan, on va régler ça une bonne fois pour toutes. Tu vas pouvoir me prouver que t'es plus rapide que moi. Sauf si t'as peur, bien sûr. T'as peur? Thank you.
caisse arrive au sol, et un type en orange. Bracken, c'est Crane, tu m'entends? Bracken, tu m'entends? Merde. Jade, c'est Crane, tu m'entends? Crane, combien d'antisines t'as récupéré? Rice voulait que... On s'est fait avoir. J'ai que 5 flacons. Quoi? On n'ira pas loin avec ça. On a un problème ici. Une épidémie a éclaté au 18e étage. Reviens le plus vite possible. Et perds pas l'antisine. Le plus simple, c'est d'aller voir Rice. Monsieur Crane, j'ai un message pour vous. C'est extrêmement important. Jade vient de me dire qu'une épidémie a éclaté au 18e étage. Il faut que je rapporte le peu d'antisine qui me reste à la tour, et vite! Tu as l'antisine? Donne-la-moi. Il y a eu quoi ici? Une personne a été infectée. Et deux autres ont été prises au piège. On aurait pu condamner l'appartement. Mais Bracken voulait sauver un max de gens. Ça a mal tourné. Il a fallu prendre une décision. On a perdu l'étage et... quelques gamins dans le tas. Tu devrais aller voir Bracken. Je vais apporter ça à Lena. Content de te voir, Crane. T'as pas vu ce qui est arrivé? Et c'est pas plus mal. C'est là qu'on reçoit les infos concernant les livraisons d'antisine. Et là, on n'en reçoit plus. Il y avait des enfants! Lena a dû réagir. Je devrais peut-être la laisser diriger. Mais putain, Crane! Je suis pas un leader! Je suis prof de parcours, c'est tout! Tous Freyren? C'était toi? Tu as montré aux gens quoi faire pour survivre. Tu sais ce que j'avais dans les poches en arrivant à Arran? Putain de carte de visite! J'espérais trouver de nouveaux élèves, économiser pour acheter une maison et... quitter mon petit appartement pourri. Écoute... je vais aller parler à Rice. Eh, attends un peu. Tous ces gens ont besoin de toi. Donne-moi un peu de temps. Y a sûrement une solution. Une meilleure solution.
Très bien. Je vais attendre. Mais fais vite. Je vais enfin pouvoir faire quelque chose de bien. Raïm ? Qu'est-ce que tu fais là ? Salut, Crane ! Je peux te faire confiance ? T'es sous ou quoi ? Oui ou non ? Oui, oui, oui. Qu'y a-t-il ? Les éclaireurs ont trouvé un nid de rapace dans ce gratte-ciel. Si on l'élimine, les missions de nuit seront de nouveau possibles. Je pense à un truc. On pourrait peut-être le faire exploser. Me dis pas que t'envisages toujours ça. Crane, il le faut. Tant que le nid sera là-bas, on ne pourra pas récupérer toute l'antizing dont on a besoin. On fait une bonne équipe. Ah ! Merde ! Me lâche pas ! Me lâche pas ! Oh putain ! Tu vois, on fait une bonne équipe. Écoute, Raïm, on n'a pas d'explosifs. Du tout. À part peut-être les pétards de Spike, mais... Bon. J'en peux vraiment plus. Tout ce que je fais, c'est de regarder. J'en ai marre. J'en ai marre de rester là à rien faire. Je veux pas crever ici, Crane. Pas comme ça. Pas de cette façon. Quitte à mourir, autant que ça serve à quelque chose. C'est quoi, ça ? Je devais partir le dimanche. Et ils nous ont mis en quarantaine le jeudi. Mes sacs étaient déjà prêts. Je vais... Bon, écoute, je vais réfléchir, ok ? Si je trouve un moyen de t'aider. C'est ça. Ici Crane, vous m'entendez ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut que vous recommenciez à livrer de l'antizine près de la tour. On en a besoin. On vous
envoyé à Aran pour retrouver le fichier, pas pour jouer les mères Teresa. À moins que vous ayez changé d'avis pour la proposition de Rice. Peut-être que Mademoiselle Altemir serait contente de coopérer, de se battre dans un nouvel environnement. Donnez-nous de l'antisine, et ensuite on verra. Ah, vous le prenez comme ça. Désolée de vous dire ça, mais vous rêvez. Les choses sont un peu tendues avec le ministère. Reprendre les livraisons ne serait pas très avantageux, politiquement parlant, actuellement. Vous êtes vraiment qu'une bande d'enfoirés! Avec votre fichier à la con, je vais le trouver. Mais je vais pas me gêner pour l'étudier tranquillement avant de décider quoi en faire. Tu m'entends ? 5 sur 5. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? J'ai besoin de ton aide. Rice a transformé une école abandonnée en entrepôt. Et je pense que c'est là qu'il stocke son antisine. Si on réussit à entrer dans cet entrepôt, on pourra récupérer les médicaments dont la tour a besoin. T'es avec moi ? Ouais, je te suis. On se retrouve dans les wagons, près de l'école. Ok. Au fait, Jade, si jamais on retrouve pas l'antisine, il va falloir qu'on parle, toi et moi. À propos de ? Pas maintenant, Jade. Commençons par vider l'entrepôt de Rice et nous verrons bien. Je suis en train d'écrire une histoire. Jade sait où on peut trouver plus d'antisine. Je vais la retrouver dans un des wagons près de l'école. Qu'est-ce que tu veux ? Monsieur Crane, connaissez-vous un homme qui s'appelle Volkan Yassifdal ? Volkan Dahl ? Bien sûr. C'est le patron de Volkan Petrol Engineering. L'homme le plus riche d'Aran. C'est exact. Et Monsieur Dahl a besoin de vos services. Je savais pas qu'il était encore en ville. La plupart de ses employés ont été évacués. Mais ses deux ingénieurs en chef sont toujours ici, le bidonville. Tolga et Fatin. Ils travaillent sur un projet spécial. C'est hautement confidentiel et je crains de ne pouvoir en dire plus. Mais je peux vous assurer que c'est d'une importance capitale. Alors je chercherai pas à en savoir plus. Les deux frères sont de brillants ingénieurs. Mais ils sont aussi quelque peu spéciaux. Ajoutez à cela les conditions problématiques de l'environnement actuel, et vous comprendrez qu'ils ont pris du retard. Monsieur Dahl voudrait que vous l'aidiez à remettre le projet sur les rails. Vous recevrez une généreuse compensation, bien évidemment. En faisant quoi ? Ce qu'ils vous demandent. Ils n'auront besoin de vous que de temps en temps, et vos missions ne seront que de courte durée. Vous devrez éliminer des obstacles, dirons-nous. Ils vous contacteront en cas de besoin. J'y réfléchirai. Tu cherches un petit boulot ? Non, je cherche un type du nom de Christophe. Oh, je vois. Ouais, je le connais. Va voir Ayo en haut. Il devrait pouvoir t'aider. Il y a plein de choses à faire à la tour. J'espère que tu jetteras un coup d'œil au tableau. On capte beaucoup plus de...